Oui, alors bonjour, je m'appelle Héloïse Vautier. Pour les élèves, c'est soit Madame Vautier, soit Héloïse. Je suis assistante pédagogique au Collège Albert Camus depuis le mois de septembre de cette année. Donc je m'occupe de tout ce qui est aide aux devoirs et accompagnement personnalisé. Alors l'aide aux devoirs, c'est un créneau dans la journée, une heure par jour ou même une heure par semaine. Donc les élèves s'inscrivent et ils viennent dans ma salle en D09 pour faire leurs devoirs, réviser leurs contrôles, faire des exercices, etc. Et même pour, pourquoi pas, réexpliquer des leçons qui n'ont pas été comprises en classe. L'intérêt du coup, c'est de pouvoir surmonter ces difficultés, certaines lacunes, trouver une solution au problème et puis aussi passer du bon temps au sens où faire ses exercices, ses devoirs avec accompagné d'adultes et de camarades, c'est plus sympa. Du coup, pour s'inscrire à l'aide aux devoirs, en général, il y a un papier qui est distribué à la rentrée du mois de septembre par le prof principal. Sur la fiche, on a plusieurs créneaux proposés, donc il faut entourer avec l'accord des parents, etc. Et remettre la feuille à son prof principal, ou alors, sinon, aller voir Madame Villain, la principale adjointe du collège, et celle qui s'occupe des inscriptions. Pour ce qui est de la fréquence, c'est comme on veut, il n'y a pas vraiment de limite. Une heure par jour, je pense que c'est le maximum, parce que sinon, au-delà, ça ne servirait pas à grand-chose. Par contre, ça peut être tous les soirs. Tous les soirs, sauf le mercredi soir, évidemment, vu qu'on finit le midi. Mais sinon, ouais, tous les jours. Le midi, le matin et surtout le soir. D'accord. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous remercie.